Bienvenue à tous et à toutes donc dans ce nouveau sujet que j'aimerais apporter avec vous aujourd'hui. Un sujet qui est important, un sujet qui est crucial dans le siècle que nous vivons, où les souffrances se multiplient, où réellement il y a des bruits de guerre, où réellement il y a des famines, où il y a des maladies qui sont véhiculées dans le monde, et où il y a, je dirais, un système qui est corrompu par le mal. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes, est complètement dans la confusion, complètement, malheureusement, dans le malin, ce qu'on appelle vraiment l'apothéose, hein, c'est vraiment la destruction. La destruction, il y a des guerres vraiment qui sont terribles. Et on voit dernièrement des hommes qui se prétendent servir Dieu, détruire vraiment des vies entières, etc. Donc c'est dans le monde que nous vivons, un monde de souffrance, un monde de douleur. Et j'aimerais vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose pour vous dire simplement qu'il y a un monde meilleur. Et vous savez, aujourd'hui on peut dire quoi? On peut dire que oui, on aimerait avoir un monde meilleur. Et j'aimerais vous dire que ce monde est possible. Ce monde est possible. Mais il y a une certaine condition. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons ouvrir le livre d'Apocalypse, la révélation de Jean, l'Apocalypse, le chapitre 21. Nous allons voir le chapitre 21 qui nous parle de cette possibilité. Alors, je vais vous lire attentivement, écoutez ces paroles. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix, qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les idolâtres, les débauchés, les magiciens et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. J'aimerais vous dire aujourd'hui, dans ce message, que réellement, nous sommes à l'aube, vous voyez, pour entrer dans cette investiture céleste, dans ce nouveau royaume qui va être préparé. Il nous faut prendre des décisions importantes dans notre vivant, sur Terre. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit qu'il y aura une résurrection des morts et des vivants. Et que notre corps va être changé en un corps incorruptible, un corps éternel de gloire. Et ce corps va prendre part à un nouveau royaume pour l'éternité, avec le Créateur, celui qui a créé tout ce que vous voyez sur cette terre, et dans les cieux, et dans l'espace. Ce Créateur va préparer une nouvelle investiture, une nouvelle réconciliation avec l'homme. Et il va détruire le mal, il va détruire Satan, l'ennemi de Dieu, celui qui a ramené le péché, la désobéissance. Satan est un esprit, un ange qui a désobéi au Créateur Tout-Puissant. Et quand il a désobéi, il a ramené le malin sur terre, cette malédiction que nous avons contractée, que l'humanité entière a contractée, qui est la désobéissance, le péché. Et à cause de ça, nous n'aimons plus notre prochain. À cause de ça, il y a la souffrance, il y a le deuil. Il y a les cris dont on parle, l'Apocalypse ici. Mais l'Apocalypse, dans le livre, il est dit que quand il y aura cette investiture, quand il y aura ce royaume qui va être investi, quand il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, qu'il y aura cette nouvelle Jérusalem qui va être
instituée. Il est écrit qu'il n'y aura plus ces choses-là. Il n'y aura plus ces choses-là. Et je vais le répéter, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Toutes ces choses seront terminées, elles auront pris fin. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une condition, parce qu'il y a un critère. Les gens, les personnes qui n'auront pas mis en règle leur vie, qui n'auront pas choisi de suivre le Christ, seront encore dans cette malédiction. Pourquoi je dis ça? Parce que Christ est venu détruire la malédiction. Il est venu briser cette malédiction. Il a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jugement et soit condamné à cause de ses péchés, mais au contraire, qu'il ait la vie éternelle grâce à lui. Par son sacrifice, il a sacrifié sa vie, il est mort pour nos péchés, afin que nous nous paraissions justes devant Dieu. Lors du jugement, que nous soyons acquittés, que nous soyons graciés, épargnés de la condamnation de cette malédiction. Donc vraiment, aujourd'hui, on a une chance d'entrer dans ce royaume sans même le mériter. Sans même le mériter. Et vous savez, c'est un choix personnel dans son cœur qu'on doit faire, d'accepter Christ, d'accepter le Dieu vivant, le Créateur, le Père de gloire. Et on doit faire cette décision pour entrer dans ce royaume. Sinon, ce n'est pas possible. De nos propres forces, par nos propres moyens, nous ne pouvons pas entrer dans ce royaume. Alors c'est vrai, vous allez faire vos prières, vous allez peut-être avoir un certain culte devant le Créateur, et vous allez vous dire, bon, cela va suffire peut-être à être épargné du jugement complètement. Et vous êtes dans une position religieuse où vous vous dites, bon, peut-être qu'un jour il y aura quelque chose, et j'espère que Dieu me fera grâce, qui m'épargnera la condamnation du péché. Je viens vous dire aujourd'hui que c'est possible, totalement. Le Christ est venu pour effacer totalement la malédiction du péché. Il est venu effacer totalement vos iniquités. Mais il faut choisir de le suivre dans votre vie. Il est écrit que c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16. Donc aujourd'hui, on a une opportunité. Et cette opportunité-là se dessine. Et il y a un royaume. Un royaume qui est préparé pour ceux qui acceptent cette opportunité. Parce qu'ils vont entrer et ils vont leur péché. Tout ce qu'ils ont commis, leur impureté va être effacée. Vous savez, c'est ça le cadeau de Dieu. Le Créateur nous offre ce cadeau. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Il y a ce royaume. Est-ce que vous êtes prêts, vous qui écoutez ce message, auditeur? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans ce royaume? Si oui, nous allons faire une petite prière ensemble à la fin de cette vidéo. Et j'aimerais d'abord continuer. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Nous dit le verset 7 du chapitre 21 de Apocalypse. Celui qui vaincra héritera ces choses. Est-ce que vous voulez vaincre? Est-ce que vous voulez avoir la victoire avec Dieu sur le diable? Est-ce que vous voulez supprimer? Est-ce que vous voulez éradiquer le péché, la malédiction que le diable a ramené sur vous et sur l'humanité entière? Si vous voulez vaincre ces choses, il vous faut être avec Christ. Il vous faut accepter Christ dans votre vie. Donc vraiment, n'attendez pas. N'attendez pas que voilà, il y ait un ange qui vous apparaisse devant vous pour le faire. N'attendez pas qu'il y ait voilà, quelque chose d'extraordinaire. Le Créateur, c'est une chose qu'on vit par la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On croit en un Créateur qu'on ne voit pas. Voilà, il se passe des miracles, il se passe des grandes choses. Moi, personnellement, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et je peux vous dire que oui, le Créateur existe. Mais il y en a qui ne vivent pas ces choses-là. Et nous devons croire par la foi. Donc vraiment, c'est un message vraiment d'avertissement pour vous. Et aujourd'hui, vous savez, il y a un critère, comme je le disais. Et on va aller un peu plus haut dans le verset qui va suivre. Le verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, et on va un peu plus haut, avant que cela se fasse, qu'il y a un jugement. Il y a un jugement contre tous ceux. Et voici le tabernacle de Dieu. Vous savez, le tabernacle de Dieu est un lieu saint. Est un lieu saint. Et donc, dans ce nouvel état que le Créateur va instituer, il n'y aura pas d'impureté, il n'y aura pas de pécheur. Le Créateur va permettre que tout le monde soit pur. Et vous savez, il y aura réellement plus de deuil, plus de douleur, plus de mort. Toutes ces choses auront complètement disparu. Et il est écrit dans le verset plus loin, « Mais pour les lâches ». Donc, tous ceux qui sont encore dans la malédiction, malheureusement, il définit réellement des sens profonds. Les incrédules sont ceux qui ne veulent pas croire, malheureusement. C'est dommage pour vous, parce qu'ici, il y a une opportunité qui est unique. Ça se fera qu'une seule fois pour vous. Donc, vous devez la saisir.
Et si vous êtes incrédule, ma foi, c'est dommage pour vous. Parce que vous allez subir, malheureusement, la punition du Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas ça. Parce que le Seigneur désire que tout le monde soit sauvé de l'Écriture. Et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Tout le monde désire. Le Seigneur, il désire que tout le monde soit sauvé. Donc, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les idolâtres. Peut-être vous priez les statues, vous priez les saints. Vous voyez la Vierge Marie, la Reine du Ciel. Vous êtes là, vous êtes en train de lui faire des prières, vous êtes en train de l'adorer. Vous êtes, selon l'Écriture, un idolâtre. Vous devez demander pardon à Dieu. Vous devez vous repentir. Voilà ce que préconise l'Écriture. La loi, le commandement du Seigneur. Et la parole du Seigneur nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Les vrais adorateurs adoreront le Père, le Créateur en esprit, en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Jean 5, 24, dans l'Écriture, dans l'Épître de Jean. Pardon, dans l'Évangile de Jean. Excusez-moi. Donc vraiment, voici les magiciens. Tous ceux qui aiment, là, qui font les Ouija. Je ferai une vidéo sur les Ouija aussi. Sur les Ouija, sur toutes les pratiques qui sont abominables devant Dieu. Je le dis, repentez-vous, demandez pardon au Seigneur, parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut vraiment votre repentance. Il veut que vous rentrez dans son royaume. Mais nous sommes tous imparfaits. Nous avons tous commis des erreurs, et moi y compris dans mon passé. Mais je me suis repenti, vous savez. Et il écrit quoi ? Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, si vous voulez prendre part à ces choses, malheureusement, vous allez finir dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est terrible, mais c'est une réalité. Frères et sœurs, c'est une réalité. J'aimerais vous dire quoi ? Dans le passage qui suit un peu plus loin, voilà. Même avant le chapitre 20, il est écrit dans le verset 14, « Puis les morts et le séjour mort furent jetés dans les temps, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque, le verset 15 nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Alors moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, mon désir personnel, c'est que vous entrez dans ce royaume. Parce que vous savez, il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme dit l'Écriture dans Apocalypse chapitre 21. Vous l'avez lu, hein ? Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse une prière, vous et moi, ensemble. Une simple prière pour que vous puissiez entrer dans ce royaume. Que vous puissiez profiter de tous les bienfaits, de toutes les grâces de l'Éternel Dieu, du Tout-Puissant Créateur, au travers de Yeshua, au travers de Christ. Alors, je vous inviterai vraiment à faire cette prière avec moi maintenant, dès à présent, si vous le désirez. Répétez après moi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je me tiens devant toi. Et j'ai péché devant toi, j'ai commis des erreurs. Aujourd'hui, je me repens, je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé Christ pour être crucifié, pour détruire ma malédiction, pour détruire le péché qui me condamne, toutes mes iniquités. Je reconnais qu'il les a tous pris à la crucifixion. Et que Christ a ressuscité des morts, qu'il est vivant et qu'il est mon rémunérateur, qu'il est mon avocat. Je reconnais qu'il est mon sauveur et qu'il est mon Seigneur. Aujourd'hui, j'accepte de le suivre. Je te demande le Saint-Esprit. Je te demande réellement de transformer, de changer ma vie. Je veux te suivre et je veux que tu sois avec moi dans ma vie. Aujourd'hui, inscris-moi dans ton livre de vie. Fais de moi ton disciple. Je t'accepte dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Vous venez réellement d'accepter littéralement le Seigneur dans cette prière. Alors vraiment sans tarder, je vous inviterai à lire l'évangile. Vraiment à lire l'évangile. Si vous n'avez pas un évangile, contactez-moi, je vous donne un évangile. Je vous donne gratuitement un évangile. C'est le cadeau de Dieu, c'est la réconciliation. Vous l'avez accepté. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut aller dans une communauté où il y a des enfants de Dieu, où il y a des croyants qui croient comme vous, et il faut vous baptiser pour être sauvé. Voilà, merci beaucoup. C'était ce petit message pour vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. À bientôt.